Bussana Vecchia, vieux Bussana, est un village situé à quelques kilomètres de la frontière entre la France et l'Italie, devenue une ville fantôme en 1887. Elle appartient à la ville de San Remo, dans la province d'Imperia, dans la région de Ligurie, au nord-ouest de la péninsule italienne. Bussana a été probablement fondée dans la deuxième moitié du 9e siècle, quand le seigneur féodal des lieux fit construire un premier château, une époque également marquée par les attaques répétitives des Sarrasins. Construite sur les collines qui couronnent les vallées d'Argentina à l'est et celle d'Armea à l'ouest, Bussana est située à 6 km à l'est de San Remo. Au cours du 19e siècle, la région a en effet connu une série de 4 événements sismiques dont le plus destructeur a été le tremblement de terre du 23 février 1887, causant la mort de plus de 2000 personnes, dont 53 à Bussana. Ces dégâts restent importants en raison de la situation géologique de Bussana, le village étant fondé sur une colline de conglomérat du Pliocène, un terrain donc peu résistant et fournissant de très mauvaises assises aux édifices, la qualité médiocre des matériaux utilisés pour la construction et la grande pauvreté de la période du Risorgimento, qui ne permettait pas la réparation et le renforcement du bâti, peuvent également expliquer l'ampleur des dégâts. En 1947, des immigrants en provenance du sud de l'Italie s'installèrent illégalement dans la ville fantôme. Et après des évictions forcées de la part de la police italienne dans les années 1950, les autorités ordonnèrent la destruction de tous les escaliers du premier étage des maisons et de leurs toits. Cependant, au début des années 1960, un groupe d'artistes, la communauté des artistes internationaux, aujourd'hui village international des artistes, décidèrent de s'installer à Bussana Vecchia afin de vivre simplement et travailler artistiquement au sein du village, selon les idées idéalistes de l'organisation. Ok, donc là en fait on est dans une guinguette, donc en fait c'est un monsieur qui a tout rénové et donc en fait tout est fait de briques et de broc avec tout en fait. Il y a des panneaux, il y a de tout, il y a des tronçonneuses, il y a des vieilles tronçonneuses, il y a de tout en fait. Actuellement, le village international des artistes est né et malgré les confrontations périodiques avec les autorités, la dernière ayant eu lieu en 1997 quand tous les bâtiments furent déclarés propriété du gouvernement italien, la communauté y vit encore, vendant leurs œuvres aux touristes et organisant des événements artistiques.